Merci, merci. Merci à vous, merci à tous. Merci à toutes les communautés. Un petit mot, Studio, on a déjà vu tous les jeux, mais tu peux peut-être en parler un peu. Et bien, comme vous avez vu, on a plein de beaux trophées dans cette Gamers Assembly. On ne va pas les énumérer, vous les avez déjà tous vus à l'écran. Par contre, on va s'intéresser à un petit nouveau qui arrive à la dernière minute. La surprise de la dernière. Et Shootmania. Ben oui, il faut qu'on en parle. Alors effectivement, on accueille cette année un nouveau, ce qu'on appelle un FPS, c'est ça, je crois le mot. Un nouveau FPS que personne n'a encore vu, hein, je crois, au niveau du public. Et nous, on a la chance de pouvoir accueillir, je crois, le papa de ce petit jeu. Donc, je vais demander à Florent Castelmérac de Nadeo de nous rejoindre. Toi, Florent. Alors, Florent, je pense que tu es devenu maintenant l'habitué de la Gamers Assembly, puisque tu étais déjà présent l'année dernière, je crois. Et oui, on était venu montrer Canyon l'an dernier, c'est tellement bien qu'on est revenu. Oui, et pas petitement. Ah non, ça fait des années qu'on travaille dessus, et pour nous c'est un jour important, parce que quand ça fait des années que vous travaillez, c'est quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton jeu? Mon jeu, c'est une envie de faire un FPS de passionné quand même de FPS, hein, mais dans l'esprit du jeu, on voulait faire pour les joueurs de FPS. C'est-à-dire que des fois on simule, on copie, on machine, mais là c'était je suis un joueur de FPS, je veux faire la compète, de quoi j'ai besoin. Et voilà, on a fait cet état d'esprit. Alors, est-ce que tu crois qu'on va pouvoir enfin voir quelques images du jeu, parce qu'on attend ça depuis longtemps. Est-ce que tu nous as amené un petit quelque chose? Ouais, mais les images c'est bien, Les images c'est bien, mais on va voir un concept en mille en vrai, quoi. Revoir ce joueur. Bien, un duel, ici. Je crois que t'as pas le choix, Florent, il faut que tu fasses quelque chose. Il y a Speedy qui est chaud bouillant, ouais. Ah, et Ragged, tout ça, Quake. On est parti derrière? Ce serait pas mal que je vous prouve que je suis joué FPS et que Speedy a aucune chance. Écoute, très franchement, Speedy fait partie de l'association depuis longtemps, c'est un vrai gamer. Je pense que toi, t'es plutôt un homme d'affaires, non? T'es plutôt un développeur. Le plus développeur que je sais pas, je suis pas un pied de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes finalement? Eh ben, un duel contre Speedy, quoi. Alors, on va laisser s'entraîner rapidement. Vous voyez, Speedy, t'es chaud, t'es bouillant. Super chaud là. Alors, on va voir à l'écran quelques images du jeu. C'est parti. Ça charge, comme on dit. Alors, Florent, je vais te tenir le micro pour que tu sois plus à l'aise. Donc, on va faire un duel sur le mode juste, qui veut dire joute. Et donc, on commence, on n'a pas de munitions, et c'est les poteaux qui nous donnent les munitions. Il faut toujours qu'on alterne d'un poteau à l'autre pour retourner à 5 munitions. C'est le premier qui a touché son adversaire 7 fois, qui remporte un point. On va faire ça en BO5. Donc, le premier qui a 3-7 remporte la map. Et voilà. Alors, effectivement, là, on voit les joueurs sur le terrain. C'est quoi? Voilà quelques images du jeu. Allez, go là! Go là, mais c'est parti là! On va encourager nous, Speedy, hein, j'insiste. Après, il y a peut-être des fans de Nadeo dans la salle. C'est les fans de la Gamers Assembly, quand même, ils sont là aussi! Alors. Ouais. Voilà, profitez bien de ces images, c'est quand même une première image. Pour la première fois dans ce jeu, montre au public. Speedy. Écoute, j'ai l'impression que t'es un peu en difficulté, Florent, je voudrais pas te déconcentrer. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, il se débrouille pas mal, hein. Je sais pas comment il fait, mais je vais quand même le foutre. Allez, Lee!
Ah, écoute, ça va. Alors écoute, je te propose quelque chose. Là, je le sens chaud, mais je pense qu'il y a encore plus chaud. Bon, est-ce qu'on peut mettre un enjeu? C'est la chance des débutants là. Alors, l'enjeu, ouais, je peux faire gagner une clé si tu veux une clé alpha quoi. Une clé alpha? Une clé alpha? Ah écoute, c'est peut-être un petit peu juste. C'est dans l'association, un petit peu en gros. Pour toute l'association? Ouais, ça serait pas mal, ouais. C'est si je perds quoi. Voilà, si tu perds une cinquantaine de clés, tu penses que c'est jouable? Non, problème, je vais pas perdre. Donc, je suis d'accord. Ok, bon, je sens bien. Ça reste qu'on dit, on va te rappeler ton parent. Allez, go! Ah, je sens bien, là, ce qu'il dit. Je sens bien chaud, là. Ah, je crois que là, ah, il y a du niveau, là. Il y a du niveau. C'est très serré. Toujours expliqué. Allez, allez, il faut les chauffer là. Qu'est-ce qu'il nous pense du clé pour Speedy là? Voilà. Là, on sent vraiment que. Et pour Flan? Speedy, ça passe. Allez, deux points. Ah, je vois que. Notre ami Flan reprend du poil de la bête. Un partout. Ouais, je te sens bien confiant en Florent là. Hein. Mais moi j'ai toujours confiance en Speedy. Tu penses vraiment y arriver? Easy. Écoute, si t'es si sûr que ça, moi je vais te proposer un truc. On monte les enchères. Bah aucun problème. Alors qu'est-ce que tu nous proposes? C'est quoi le max que tu penses quoi? Écoute, moi je vais te proposer un truc. Tu sais, il y a à peu près 1000 joueurs inscrits à la Gamers Assembly. Qu'est-ce que t'en penses? 1000 clés. Désiré, tu veux toujours voir trop grand. Mais je sais qu'il y a de ça. Allez, un petit effort. Attends, là, je perds 2-0, je crois, donc ça va pas du tout. Ah, c'est nous, ah, tu commences à douter, au final. Ah, allez, on s'en fout. Pour tout le monde, si jamais il gagne. Allez, c'est bon. Effectivement. Vous êtes bien parti. Si vous voulez une clé, c'est pour Speedy qu'il faut être. C'est super. Et toi, Speedy? L'enjeu. Quel enjeu, Speedy? Bien sûr. Parce que Speedy, bah, c'est super. C'est super, c'est quoi, toi? C'est voir décider. Allez-y, c'est bon, plaisir. Ah, là, je sens que Florent. On est revenu dans le match. Il tient à ses clés. Votre sort est entre les mains de Speedy. Allez, 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 Speedy. Tout le monde veut sa clé, je crois. Ça coûte. C'est la voix pour public. Ouais. Je vais pas y arriver. Je suis de toi. Dernière manche. Speedy, tout le monde compte sur toi. C'est la dernière manche. Et je sens que les deux joueurs s'accrochent. Du coup, l'enjeu, Speedy, il est plus là. Allez, Flo! Alors, allez. Ah, je sens que Speedy. Allez, Speedy, on compte sur toi, là, je vais te mettre un peu de temps. Ah, je crois que là, c'est mal parti.
Allez, Speedy. Ah, je pense que ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Allez. Vous voulez que je déconcentre Florent, peut-être, pour la clé? Allez, Florent, ben, j'ai quand même l'impression que là, t'as un peu de mal, hein. Hein, Florent? Plus qu'un point, et la victoire sera d'un côté ou de l'autre. Ils ont peur. Alors là, nous avons un cas exceptionnel d'égalité, il faut deux points d'écart. Donc le prochain, 8-7. Si Florent marque, il gagne. Si Speedy marque, il faudra encore deux points pour le départager. La pression est énorme. Ça passe pas bon. Allez Florent. Allez Florent. Un petit effort, Florent. C'est juste des clés, quoi. Tension exceptionnelle. Écoute, est-ce que tu vas tenir ta promesse? Bah, si t'as tous les emails des mecs qui participent, on enverra un email, ouais. On les a, okay, on les a tous, il me semble. On les a. Donc, vous avez l'unité alpha du jeu qui arrivera dans vos boîtes aux lettres dans quelques semaines. Il y en a pour tout le monde. Eh ben, c'est un vrai plaisir, en fait, dans les CT, je pense, d'avoir tous les mecs de la GA comme ça. Et vous allez tous sur Shootmania. Tous ceux qui ont participé à la Gamers Assembly sont sur Shootmania, là, mi-même. Vous savez quand même. Se retrouver pour jouer ensemble, ça peut être sympa, en tout cas. D'avoir un lien comme ça. Merci beaucoup, Florent. Je te remercie. Et puis, vous avez toujours la possibilité de rencontrer sur le stand en face. Voilà, et on enchaîne tout de suite.